vivant. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus va te bénir? Alléluia. Est-ce que tu crois que Jésus va te lever? Amen. 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 Tu crois que Jésus va t'enrichir? Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Que Jésus est ton rédempteur, ta rançon, Amen. Ta récompense, ta richesse. Amen. Il est Amen. Ta délivrance. Amen. Il est ta gloire. Il est assis Amen. À la droite du Amen. Père et il intercède pour toi et moi. Amen. 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 Est-ce que tu sais que Jésus est vivant? Amen. Amen. Oui, ma sœur. Oui, mon frère. Notre Dieu est vivant et il ne change pas. Nous allons continuer à le servir avec la grâce qu'il nous accorde. Ce soir, je veux nous parler de ce thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? 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 Amen. Amen. C'est une question que les disciples ont posée en réalité au Seigneur Jésus, mais qui cache un enseignement qui va nous aider à comprendre certaines réalités. C'est une question, mais qui nous amène en même temps à nous poser une question plus générale, plus globale. Amen. 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 Lorsque nous regardons dans la nature, si je prends uniquement le cas de la race humaine, quand un bébé naît, il naît souvent aveugle. Je ne sais pas si vous le savez. Mmh. Amen. Amen. Tout bébé qui vient au monde, il ne vient pas au monde les yeux déjà ouverts, où il voit tout, il connaît tout. Non. Il naît toujours aveugle. Amen, amen. Amen. On est d'accord? Donc, ça nous amène à nous poser aussi la question, pourquoi l'homme naît donc aveugle? Pourquoi les hommes naissent en réalité aveugles? Parce que si tout enfant qui naît dans ce monde, toute personne qui est née d'une femme est née aveugle, pourquoi alors les hommes naissent aveugles? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Amen. Amen. Cette question que les disciples ont posée nous amène à nous poser une question plus globale pour essayer de comprendre une loi divine, une grâce divine qui est derrière, une volonté, une réalité spirituelle qui se cache derrière. Et le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, va nous aider à approfondir cela. Amen, amen. Amen. En analysant ce sujet, je me suis rendu compte d'une chose. Premièrement, qu'aucun être humain qui vient dans ce monde ne naît avec la richesse. Job a dit dans Job chapitre 1 que nu je suis venu et nu je retournerai. Amen, amen. Amen. Donc, aucun homme, même les fils des rois, les fils des riches, tu ne verras jamais un enfant sorti du ventre de sa mère avec de l'or dans sa main. Amen. Amen. Avec Amen. Des diamants, avec des billets de banque dans sa main. Ça n'existe pas. Donc personne ne naît riche en réalité. Vous me suivez? J'ai réalisé que aucun homme ne naît avec de l'argent, avec de l'or. Aucun homme ne naît riche. Aucun homme ne naît aussi avec des habits, des vêtements déjà sur son corps. Tu ne vas pas voir un bébé qui sort du ventre de sa mère, déjà habillé, déjà
il a déjà son chapeau sur la tête, déjà propre. Non. Tous ceux qui naissent de femmes naissent pauvres, naissent aveugles, naissent nus. Je répète. Tout être humain naît pauvre, aveugle et nu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vais dire, nu je suis venu et nu je retournerai. Amen, amen. Amen. Dans Job chapitre 1, verset 21, on le voit. Si nous prenons Ésaïe 7, verset 16. Là, je vous ai donné ce test de Job. On ne va pas le lire, mais vous pouvez le noter. C'est un test qui est beaucoup populaire, on connaît très bien. Job 1, verset 21. Il dit, « Nu, je suis venu, et nu, je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Donc, « Nu, tous les hommes naissent. » Si nous prenons Ésaïe 7, au verset 16, Ésaïe au chapitre 7, verset 16. La Bible dit, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Cela nous explique en fait que aucun enfant ne naît déjà avec l'intelligence, la connaissance, la sagesse, ou je vais dire avec le discernement, où il sait discerner le bien du mal. Non. C'est l'enfant, c'est en grandissant plutôt que l'enfant acquiert justement cette capacité-là où il arrive maintenant à discerner le bien et le mal. Vous voyez? Donc, je peux nous donner également 1 roi, chapitre 3, verset 9. C'est des versets qui nous expliquent en fait que quand on est, on ne naît pas avec une cuillère en or, en fait. On naît avec des lacunes, des déficits, des manquements. Un roi, chapitre 3, au verset 9. La Bible dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Qu'à qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? L'enfant qui naît, il ne sait pas qui est papa et qui est maman. Il ne voit même pas leur visage. Il ne peut pas discerner qui est son père, qui est sa mère. Vous m'entendez ce soir? Amen. Il n'a pas encore cette connaissance-là. Cette capacité-là, ce discernement, il n'a pas, en fait. Il ne sait pas discerner son père ou sa mère. C'est la même chose en disant qu'il ne sait pas discerner le bien du mal. Vous voyez? Il ne sait pas quand il naît, en fait. Il ne sait rien. Il ne sait rien du tout. Si nous prenons Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7, ça nous dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Donc, on comprend que Adam et Ève étaient nus. Quand ils étaient nés, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas eux-mêmes. Amen, amen. Amen. Quand l'homme naît, il est nu. Amen. Amen. Il est nu, il est pauvre, il est aveugle. Tout être humain naît pauvre, aveugle et nu. Et ça nous fait penser à quelque chose. Ça nous fait penser à l'église de Laodicée, en fait. Dans Apocalypse, chapitre 3. Et nous allons prendre pour essayer d'avancer, d'évoluer dans l'enseignement. Apocalypse chapitre 3, donc, versets 14 à 17.
Donc, les premiers versets que j'ai donnés là, c'est surtout pour nous expliquer, nous attester, nous appuyer ce que j'ai affirmé au début en disant que tout homme naît pauvre, aveugle et nu. Amen. Amen. Que ce soit clair pour nous, pour que ça ne soit pas une invention. Donc, on donne des textes bibliques pour appuyer ce que nous disons. Et si nous prenons Apocalypse chapitre 3, du verset 14 au verset 17, la Bible nous dit, « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Je disais mardi passé qu'on allait continuer l'enseignement qu'on avait commencé le mardi aujourd'hui. Mais finalement, c'est un autre enseignement qu'on est en train de voir, mais qui va quand même nous aider aussi à approfondir certaines choses. Amen, amen. Amen. Si le Seigneur le permet, ce qu'on a commencé mardi, on va le compléter. Amen. Amen. Donc, ce qui reste, je vais le donner. Mais ce sera une autre fois. On nous dit au verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne le sais pas, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ok, j'ai même dépassé le verset 17, j'ai lu le verset 18. Donc, on dit que tout homme naît pauvre, aveugle et nu. La question qu'on se pose, c'est que pourquoi l'homme naît alors pauvre? Pourquoi l'homme naît aveugle? Et pourquoi les hommes naissent nus? Amen. Amen. C'est une question que les disciples posent, mais qui nous amène à poser une question plus générale, plus globale, qu'on va essayer, de répondre. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aveuglement, c'est l'image des ténèbres. Mmh. Un aveugle, il voit que les ténèbres, en fait. Il ne peut rien discerner. Il ne peut pas discerner son père et sa mère, à moins qu'il touche. Il ne peut pas discerner le bien et le mal. L'aveugle ne voit rien. Il ne peut pas discerner les couleurs. Il ne peut pas discerner les formes ou les objets en général. Vous voyez? Un aveugle ne peut pas discerner quoi que ce soit. Un aveugle, il est dans les ténèbres. Celui qui est aveugle est dans les ténèbres. Pourquoi les hommes naissent pauvres, aveugles et nus? Cela nous montre simplement que l'homme naît dans les ténèbres. Amen, amen. Amen. Je répète, hein, la question des disciples nous amène à nous poser une question. Une question plus générale, selon un constat, tout être humain qui naît, il ne naît pas avec de l'or, il ne naît pas avec des diamants, non, il naît pauvre, on est d'accord. Uh-huh. Tu ne verras jamais un enfant sorti du ventre de sa mère avec un lingot d'or et il donne à sa maman, jamais, ça c'est un point. Également, l'enfant ne naît pas avec les yeux ouverts. Où il est capable de discerner son père et sa mère. Impossible. On n'a jamais vu ça. Quand on voit ça, automatiquement, on dit que ça c'est un sorcier ou c'est un enfant bizarre. Il n'est pas normal. On est d'accord? Mm-hmm. Tu ne verras jamais également un enfant naître avec des vêtements déjà sur son corps. Il est déjà habillé. On n'a pas besoin de le nettoyer. Il est déjà propre. Non. Il y a plusieurs raisons. Même biologiques pour lesquelles je ne veux pas avancer sur cet aspect-là. Moi, je veux traiter vraiment le côté spirituel.
ce soir avec nous. Amen, amen. Amen. Donc, il y a un constat qui est là, c'est qu'en réalité, l'homme naît pauvre, aveuglé, nu. Et pourquoi l'homme naît pauvre, aveugle et nu? L'aveuglement là, ça représente en réalité les ténèbres. Vous voyez? L'aveuglement, c'est le manque de discernement. C'est le manque de discernement en fait. C'est l'image du manque de discernement. Un aveugle ne discerne pas. Il ne peut pas discerner les couleurs. Il ne peut pas discerner les formes. Vous voyez? Il ne peut pas discerner les objets. Il ne voit rien. Donc il ne peut rien discerner. Si nous regardons dans 1 Jean chapitre 2, l'apôtre Jean va nous dire quelque chose. Dans 1 Jean 2 au verset 11, c'est un enseignement, on va prendre le verset pour appuyer ce que j'affirme. Il va nous dire par exemple que « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. » Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ça veut dire que les ténèbres... Quel verset? 1 Jean chapitre 2 au verset 11. Merci. 1 Jean chapitre 2 au verset 11. 1 Jean chapitre 2 au verset 11. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Il ne peut pas discerner. Il ne sait où il va. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Celui qui est aveugle, il ne sait où il va. Il dit que il ne sait où il va. Pourquoi? Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous voyez? Celui qui est dans les ténèbres ou celui qui est aveugle, c'est l'image de celui qui marche dans les ténèbres. Et celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait où il va. Parce qu'il ne peut discerner rien. Il ne peut pas discerner les formes. Il ne peut pas discerner les routes. Il ne peut pas discerner les objets. Il ne peut pas discerner les couleurs. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux, en fait. Pourquoi l'homme naît aveugle? C'est juste pour montrer que l'homme naît dans les ténèbres. Les hommes naissent dans les ténèbres. Je ne sais pas. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, Adam n'était pas un bébé. On est d'accord? Ok? Dieu avait formé un corps. Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'était un corps déjà grand que Dieu a formé et il va souffler dans ce corps. Et Adam s'est levé. On est d'accord? Donc, il s'est levé. Quand l'esprit est rentré dedans, il a ouvert les yeux et il s'est levé. On est d'accord? Donc, cette règle-là qu'on est en train de dire, c'est ce principe-là qu'on est en train d'expliquer ce soir. On ne va pas dire que ça concerne Adam. On est d'accord? Cet aveuglement-là, Adam n'a pas connu ça, en quelque sorte. Parce qu'il n'est pas né comme nous, en quelque sorte. Dieu l'a formé. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ouais. Là, je parle de tous les hommes qui sont nés d'une femme. Adam n'est pas né d'une femme. On est d'accord, hein? Uh-huh. Donc, que ce soit clair vraiment pour nous, Adam n'est pas né d'une femme. Ève n'est pas née d'une femme. Mais tous les autres hommes sont nés d'une femme. Amen, amen. Amen. Et l'image de l'aveuglement, c'est les ténèbres. L'aveuglement là représente en réalité les ténèbres, en fait, dans lesquelles le monde se trouve. Les hommes naissent, en fait, dans les ténèbres, dans l'ignorance. Vous voyez? Dans l'ignorance de beaucoup de choses. Parce que l'enfant qui naît, il ne connaît rien, en fait. Il ne peut rien discerner. Rien du tout. Si nous regardons 2 Pierre chapitre 1, au verset 9, regardons ce que l'apôtre Pierre va nous dire. 2 Pierre 1, verset 9, l'apôtre Pierre dit ceci. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Remarquez, il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. De quelles choses il parle? Il parle des vertus qu'il a citées. Si vous lisez à partir du verset 5, regardez ce qu'il dit. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, vous voyez, à la vertu, la science,
la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Vous voyez, tout ça, ce sont des vertus, en fait, que l'apôtre Pierre demande d'avoir, de développer en nous. Mais il explique que celui en qui ces choses font défaut est aveugle. On est d'accord? Oui. Et ça nous montre en fait que ces vertus-là, ça nous qualifie, ça nous donne une certaine capacité pour discerner, ça nous donne une certaine maturité de l'esprit en fait. Amen, amen. Amen. Ça fait de nous des hommes matures, de vrais enfants de Dieu, des hommes qui savent discerner le bien du mal, des hommes qui savent distinguer le bien du mal, en fait. L'apôtre Pierre dit, celui en qui ces choses manquent est aveugle. Il est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, en fait. Si je prends encore 2 Corinthiens 4, versets 1 à 5. Tout à l'heure, on a lu Genèse chapitre 3 au verset 7. Si nous prenons 2 Corinthiens 4, versets 1 à 5, ça c'est encore fort. Ce texte qui nous montre vraiment que l'aveuglement, c'est les ténèbres, c'est l'image du manque de discernement, du manque de connaissance. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore, comment? Voilé. Voilé. Ça veut dire caché. Caché. Si notre évangile est encore voilé ou caché, il est voilé ou caché pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Dans l'apôtre Paul est clair, il y a quelqu'un qui s'amuse à aveugler l'intelligence des hommes pour les empêcher de voir briller une lumière. Oh Dieu, il y a quelqu'un qui se joue à un jeu, qui aime jouer un jeu. Et ce jeu-là, c'est de fermer l'intelligence des hommes. Fermer ce que la Bible appelle dans Éphésiens 1, verset 8 ou 11, on va le lire tout à l'heure, ce que la Bible appelle les yeux du cœur, les yeux de l'intérieur, les yeux de l'homme intérieur. Il y a une personne qui s'amuse à aveugler les hommes pour les empêcher de voir briller la lumière, pour les empêcher de distinguer les couleurs, pour les empêcher de distinguer les formes, pour les empêcher de distinguer les objets. Amen, amen. Amen. Il y a une personne qui joue à ce jeu-là. Il appelle le prince de ce monde des ténèbres. Il dit le Dieu de ce siècle. Amen, amen. Amen. Si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, aveugler l'intelligence. Nous devons comprendre que la nudité dont je parle ici, ce n'est pas la nudité physique. Bien que, quand on dit l'enfant qui naît, il est né pauvre, il est né aveugle, il est né nu, c'est vrai, c'est des choses qui sont physiques. Mais l'enseignement ne concerne pas ces aspects physiques. C'est de l'aspect spirituel, en fait, que je suis en train de parler. Vous voyez? Quand je parle de nudité, je veux parler d'une nudité spirituelle. Quand je parle d'aveuglement, je veux parler d'un aveuglement spirituel. La pauvreté aussi, c'est une pauvreté spirituelle. Mes frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Depuis le jour que Dieu a créé Adam,
Le diable n'était pas content. Le diable, je répète, n'était pas du tout content. Il n'était pas joyeux. Il n'était pas dans la joie. Amen. Amen. Même si le ciel se réjouit à chaque fois qu'un enfant naît au ciel, à chaque fois qu'un homme se convertit, le royaume des ténèbres est dans les tristesses et dans les pleurs et dans les deuils. Amen, amen. Amen. Parce qu'ils viennent de perdre un candidat potentiel à leur royaume. Amen, amen, amen. Vous savez que nous sommes engagés dans une guerre, dans un combat. Le royaume de lumière contre le royaume des ténèbres. Amen, amen, amen. La guerre entre la lumière et les ténèbres. Même si la lumière a toujours de l'avance sur les ténèbres, mais nous sommes engagés dans une guerre entre Dieu et les démons et le diable. Amen, amen, amen. Et l'homme se retrouve au milieu. Puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, Dieu a mis tout son amour dans la création. Vous connaissez l'histoire. Pendant 6 jours, Dieu a tout créé. Mais le 6e jour, le Seigneur se lève et il prend de la poussière pour former un corps. Donc, voyez cette attention-là que Dieu témoigne à cette créature qu'il vient de créer. Le fait de se lever, de prendre cette peine-là, de former comme un potier un corps. Vous voyez ce que je dis? Et de souffler, de mettre son souffle. Déjà, il dit, les dieux disent, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes les créatures que Dieu avait créées. Amen, amen. Amen. Donc, le diable avait déjà chuté. Il était déjà tombé. Les démons étaient déjà tombés. Ils n'étaient pas contents. Vous voyez ce que je dis? Ils n'étaient pas contents. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est juste pour vous expliquer que si Adam et Ève sont tombés, c'est parce que le diable n'était pas content et il va tout faire pour les séduire, les tromper, pour les faire tomber dans la désobéissance, afin que l'homme connaisse ce que la Bible appelle la honte de l'Égypte, la honte. Nous allons lire, vous allez comprendre. En fait, quel est le but de tout ça? Pourquoi un enfant naît pauvre, il naît aveugle, il naît nu, en fait? Il naît, il n'a pas de discernement, il n'a pas de connaissance, il n'a rien du tout, il n'a pas de l'argent, il est pauvre. Il vient dans ce monde, il n'a rien à porter. Il trouve tout ici. L'or, il vient le trouver ici. Vous voyez, les vêtements, il ne vient pas avec les vêtements. On trouve tout ici. Normalement même, si on veut enterrer quelqu'un, on devrait l'enterrer sans vêtements. On devrait l'enterrer sans les diamants, toutes ces choses. Mais bon, voilà, nous les hommes, on a appris à honorer, voilà, nos parents qui sont morts. C'est pas un péché. Ok, ok. Ok. Donc, la Bible dit que il y a quelqu'un qu'on appelle le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence des hommes afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Amen, amen. Amen. Oui, mon frère. Si tu prends Josué 5 avec moi, au verset 9, regarde ce que Dieu va dire à Josué. Quelque chose de bizarre. Josué 5. Josué chapitre 5, verset 9. Regardez ce que le Seigneur dit à Josué. Là, Moïse était déjà mort. Les enfants d'Israël, ils étaient à la porte de Canaan. Amen, amen. Amen. Ils étaient à la porte de Canaan. Il leur restait quelques pas pour rentrer dans Canaan. On est d'accord? Moïse est déjà mort. Il restait maintenant à traverser certains peuples, à renverser les murs de Jéricho, à rentrer maintenant dans Canaan. Mais le Seigneur va demander à Moïse, je dis à Moïse, à Josué plutôt, de circoncire tout le peuple. Tu vois très bien. Dieu demande à Josué de circoncire tout le peuple. Tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, qui étaient en âge
d'aller en guerre. Ils étaient tous morts dans le désert à cause de leur désobéissance. Il n'y avait que Caleb et Josué qui étaient encore en vie. Donc tous ceux qui sont sortis de l'Égypte là, c'était des hommes et des femmes qui étaient nés dans le désert. Amen, amen. Amen. Mais quand ils étaient nés, ils n'ont pas été circoncis. Tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte étaient circoncis. Mais ceux qui sont nés dans le désert n'étaient pas encore circoncis. Amen, amen. Amen. Donc, Dieu va dire à Josué de circoncis tout le peuple. Regardez au verset 9 ce que Dieu dit à Josué. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. J'ai fait quoi? J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. L'opprobre qui veut dire quoi? La honte, l'humiliation. Amen. Amen. La honte, l'humiliation. La honte, l'humiliation. Regardez, cela faisait 40 ans qu'ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Mais Dieu dit, c'est maintenant, aujourd'hui là, que je viens de ôter, vous voyez, de dessus vous, l'opprobre, la honte, l'humiliation de l'Égypte. Tu veux très très bien. C'est au bout de 40 ans. Si Josué n'avait pas circoncis tous ces enfants-là, la honte là allait rester toujours sur eux. Pourtant, ils ne sont plus en Égypte. Donc, vous imaginez des hommes et des femmes qui sont nés, mais ils naissent avec une honte. Et ils marchent avec une honte. Ils vivent avec une opprobre. Ils vivent et ils marchent avec une humiliation. Ils grandissent, ils se marient, ils vont faire des enfants. Ils vont toucher l'argent, ils vont toucher beaucoup de choses. Mais il y a une opprobre qui est au-dessus de leur tête comme une épée de... Je ne veux pas dire le nom là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez? Dieu dit, c'est aujourd'hui même que je viens ôter l'opprobre de l'Égypte de dessus vous, en fait. Cette opprobre là, c'est quoi? C'est à cause de l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est l'image des ténèbres, vous voyez, c'est l'image des ténèbres en fait. Donc c'est exactement la même chose avec les hommes. Les hommes naissent aveugles, ils naissent pauvres, ils naissent nus. Pourquoi? Tout simplement parce que le diable quelque part est derrière et il y a eu le problème sur la vie de l'homme depuis que Adam et Ève ont péché. Justement à cause du péché d'Adam et de Ève, les hommes naissent dans le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 3 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Vous voyez, on dit au chapitre 6 toujours de Romains que le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la justification, c'est la justice. Amen. Amen. Donc les hommes naissent aveugles. Parce que il y a un diable, il y a un ennemi, il y a un homme qui s'appelle, il y a un esprit plutôt, qui aime jouer pour mettre les hommes dans la honte, dans l'humiliation, dans l'opprobre. Tu vois? Mais ici on voit que l'opprobre là a été ôté parce que les enfants d'Israël, ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui sont nés dans le désert, étaient circoncis. On va arriver pour qu'on comprenne que c'est seulement en Christ que cette honte-là va être enlevée. Dans l'histoire où j'ai tiré ce thème, on va le lire tout à l'heure, c'est un aveugle qui est né aveugle, un homme qui est né aveugle. Et un jour, les disciples étaient sortis et ils ont vu le monsieur de loin. Cela faisait des années qu'il était aveugle, 38 ans qu'il était aveugle. Et ils vont poser la question au Seigneur, « Maître, dis-nous, pourquoi cet homme qu'on connaît, on l'a vu, ça fait des années qu'il est comme ça. Donc même pour sortir, il ne peut rien faire de lui-même. Il est obligé que les gens viennent de demander toujours l'aide des hommes. Pour aller aux toilettes, il faut que les gens tiennent sa main. Vous voyez ce que je dis? Il est obligé de tendre la main, de faire la manche, de commander le pain. Tous les jours, quelqu'un doit l'amener au bord de la route, le poser quelque part avec une assiette. Et il tend la main, donnez-moi une pièce, donnez-moi deux pièces. Si on ne lui donne pas, il n'aura rien à manger. Quelle humiliation,
quelle opprobre, quelle honte. Vous voyez ce que je dis? Amen. C'est ça l'aveuglement, c'est l'humiliation en fait. Le manque de discernement, le manque de connaissance, le manque de connaissance, le manque de la connaissance de Jésus-Christ, ça amène une opprobre dans la vie de l'homme. Vous voyez, le manque de circoncision. 40 ans dans le désert, 40 ans hors de l'Égypte, mais l'opprobre était toujours sur la vie. Donc on peut faire des années dans les églises, mais l'opprobre n'est pas ôté. Amen, amen. Amen. Je vous en prie. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez. Galates chapitre 3. Galates 3 nous dit quoi? Galates chapitre 3, versets 26 et 27. Galates chapitre 3, versets 26 et 27. La Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous, vous tous, vous êtes fils de Dieu, fils du Très-Haut, par votre foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Christ. Vous tous qui avez quoi? Qui avez été baptisés en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Christ. Vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, on a dit les hommes naissent pauvres, aveugles et nus. Donc, la personne qui vient pour ôter notre aveuglement, qui vient pour ôter l'opprobre de notre vie, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. La même personne qui vient pour ôter notre nudité, c'est encore lui, c'est encore Jésus. C'est ce que Paul est en train de dire dans Galates 3, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et il a ôté notre nudité. Vous voyez ce que je dis? Amen. Christ a ôté notre nudité. Il dit que nous avons revêtu Christ. Donc nous ne sommes plus nus. Je ne suis plus censé être nu. Si je suis réellement converti, si je suis réellement circoncis, en fait, amen, tout part de la circoncision. Amen. C'est parce que c'est quand la circoncision vient que cette honte est ôtée. Amen. Vous voyez, quand la honte est ôtée, toutes ces choses-là s'enlèvent. La pauvreté va partir. La nudité et l'aveuglement vont partir. Vous voyez, parce que tout ça, c'est l'œuvre des ténèbres qui est derrière, en réalité. Donc la Bible nous dit que en Christ, nous ne sommes plus nus. Amen, amen. Amen. Donc, pour que la nudité de la vie des hommes soit ôtée, il faut que les hommes se convertissent. Que les hommes donnent leur vie à Jésus. Que les hommes donnent leur cœur à Jésus. Que les hommes acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné. Amen. Par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre Dieu. Aucun autre. Il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs dénominations. Mais il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul homme qui est capable de se lever pour ôter l'opprobre de ma vie, pour amen, ôter l'opprobre de ta vie, amen, pour ôter l'humiliation de ta vie, amen, pour amen, ôter la nudité de ta vie, la nudité que le passé t'a collé, la nudité que le diable a mis sur amen, ta vie. Amen, il n'y a qu'un seul nom, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de l'ôter, et il s'appelle Jésus le Christ. Il s'appelle Jésus le Christ. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, que Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, qu'il ne soit plus nu, qu'il ne soit plus aveugle, qu'il ne soit plus pauvre, mais qu'il ait la vie en abondance, la vie éternelle, qu'il soit revêtu, qu'il soit
soit libéré, qu'il soit enrichi. Amen, amen, Paul amen. Dit toujours aux Corinthiens que Jésus, lui qui était riche, lui qui ne manquait de rien, lui à qui tout appartient, le ciel lui appartient, la terre lui appartient, les trésors des nations lui appartiennent, les trésors des hommes lui appartiennent, mais il s'est fait pauvre, il s'est dépouillé pour que je sois revêtu, amen, pour que tu sois revêtu, merci. Pour que tu sois riche, que tu connaisses la gloire. Amen, 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 amen. C'est pour ça ce soir-là, Dieu me disait, mets une cravate, habille-toi bien. Au début, je ne comprenais pas. Ah, mais je dis, cravate. Allez, j'ai mis cravate seulement. C'est pour ça ce soir, j'ai porté cravate. Juste pour te dire en fait que je ne suis plus nu, que tu n'es plus aussi nu. Alléluia. Amen. Si tu étais né dans une famille pauvre, une famille minable, une famille misérable, une famille où la chancellerie régnait, laisse-moi te dire, à cause de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, du sang de l'agneau, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit à la croix que tout est accompli, tu n'es plus pauvre. Si tes parents étaient pauvres, toi tu ne seras pas pauvre. Merci Jésus. Amen. 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 Mon frère, regardez avec moi. Donc, pour que l'aveuglement tombe, qu'est-ce qu'il faut faire? Christ. Il faut la lumière. Il faut Christ. Amen, amen. Amen. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut Jésus. Et on a vu également que pour que la nudité aussi tombe, il faut toujours Christ. Parce que c'est en Jésus que nous recevons un nouveau vêtement. Christ nous couvre. Si vous regardez avec moi dans Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus dit que je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Quiconque accepte de suivre Jésus, tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Amen. La Bible dit, les ténèbres qui couvrent cette région de l'homme de la mort, la Galilée des gentils, cette région-là qui était dans les ténèbres, a vu une grande lumière se lever, une lumière est rentrée, une lumière a commencé par briller. Les ténèbres couvraient la surface de la terre, mais les ténèbres ne rayeront pas pour toujours, les ténèbres ne rayeront pas pour l'éternité, parce que la lumière du ciel, le soleil levant de justice, l'étoile brillante du matin nous a visités d'en haut, dans son amour et dans sa miséricorde. Il a accepté de descendre dans la bassesse des hommes, dans le malheur des hommes, dans la souffrance des hommes. Il est descendu vers la terre, il est descendu dans le malheur où nous étions. Il a accepté de boire l'opprobre. Oh my God, pour que je sois libéré, pour que tu sois sauvé. Quiconque accepte de le suivre, tu ne demeureras pas dans les ténèbres. Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu comprends qui est Jésus, si tu comprends c'est quoi la parole de Jésus, Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. L'évangile de Jésus est une puissance pour la délivrance et la libération des hommes et de nos familles. Alléluia. Amen. Il est venu pour nous libérer. Amen, amen, amen. Amen. Il dit que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Élie est venu, mais Élie est parti. Élisée est venu, mais Élisée est mort. Moïse est venu, mais Moïse est mort. Josué est venu, mais Josué est parti. David a régné en son temps, mais malgré l'onction royale, David est parti. Tous les rois sont partis. Même Salomon, malgré la grande sagesse qu'il avait, Dieu pouvait lui dire, avant toi et
après toi, il n'y aura aucun roi aussi sage que toi. Mais la Bible me dit que Salomon est mort. Amen, amen, amen. Amen. Salomon est mort. Moïse est parti. Ils sont tous partis. Aucun d'eux ne pouvait vaincre la mort. Aucun d'eux ne pouvait dominer sur la mort. Amen, amen. 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 Aucun d'eux ne pouvait dominer la mort. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Aucun d'eux ne pouvait dominer sur la mort. Ils sont tous partis. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus le Christ. Il a dit à ses disciples, oui, sachez que je monte à Jérusalem et les chefs religieux vont m'attraper. Ils vont me crucifier. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Allez m'attendre en Galilée, amen, là où je vous ai. J'ai l'habitude de me rassembler avec vous. Pierre voulait lui dire, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Mais il a dit, Pierre, laisse-moi partir. Ce que tu dis là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il a mis Pierre de côté. Il n'a pas regardé le problème. Il n'a pas regardé la souffrance. Il a accepté de partir. Il est parti à la croix. Ma Bible me dit que le troisième jour, il était ressuscité. Le seul qui a vaincu la mort. Amen. Le seul qui a vaincu le prince du monde des ténèbres. Le seul qui a vaincu Satan et ses démons. C'est pourquoi Colossiens 2, Colossiens nous dit, Colossiens 1, même dans 2, verset 14 nous dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur... Oui. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez Colossiens 1, 14. Je disais, on va lire. J'ai dit, on allait lire quoi là? Oui, on a lu Jean 8, 12. On a lu Jean 8, 12. Mais vous pouvez noter aussi Colossiens 1, 14. Colossiens 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. Notez-le également. Colossiens chapitre 1, verset 14, qui nous dit ceci. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Mais si vous lisez à partir du verset 13, on nous dit que, même verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen, amen, amen. Ok, donc si vous regardez, ouais, ce que je viens de lire rapidement là, on est passé trop vite, mais si je relis le verset 13, regardez bien, on dit il nous a délivré de quoi? De la puissance des ténèbres et il nous a transporté. Ok, il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est quoi ce royaume? C'est le royaume de lumière. Vous voyez? Il nous a pris du royaume des ténèbres où on était. On était tous dans les ténèbres. On était tous aveuglés, appauvris, nus. On était tous humiliés. Nos familles étaient humiliées. Nos vies étaient humiliées. Les femmes étaient humilié. Les hommes étaient humiliés. Amen, amen, amen. Mais Christ nous a pris. Et c'est comme ça il est. C'est ce qu'il fait. Il prend le pauvre et il l'élève pour le faire asseoir avec les grands. Il prend la prostituée pour en faire une évangéliste. Amen, amen, amen. Il prend un homme orgueilleux et violent pour en faire un apôtre. Il prend un persécuteur de l'église pour en faire aussi un apôtre des gentils. Amen, amen, amen. C'est comme ça Jésus fait. La Bible dit que cette parole est certaine. C'est que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen, 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 amen.
Il est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Vous voyez, Christ est venu pour sauver le pécheur que je suis ou que j'étais. Le pécheur que tu es ou que tu étais. Jésus est venu pour nous sauver. Nous délivrer de la pauvreté, nous délivrer de la nudité, nous délivrer également de l'aveuglement, enlever l'opprobre, enlever la honte. Amen. Vous voyez, le châtiment qui nous donne la paix. Regardez Colossiens 2. Verset 14. On dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamnait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen. Amen. Mais dans Ésaïe 53, vous allez le lire chez vous. Ésaïe 53, verset 5. Vous pouvez même lire du verset 1. Vous allez voir qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante. Les hommes de cette époque pouvaient dire, c'est à cause du péché qu'il a été humilié, que c'est Dieu qui est en train de le frapper. Et pourtant, les gens n'ont pas compris. Il a été flagellé, il a été frappé, il a été humilié pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos erreurs. Alléluia. Et l'apôtre et le prophète plutôt, Esaïe va dire que le châtiment qui nous était réservé, qui nous était destiné, était tombé sur lui. Et que c'est par ses meurtrissures, par son sang, son sacrifice, sa mort à la croix, que nous avons été rachetés, nous avons été sauvés. C'est pour cela que la Bible déclare que ce n'est ni par l'argent, ce n'est ni par l'or, ce n'est ni par le diamant, ce n'est pas par les noms de famille ou les diplômes que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux. Amen. De Jésus, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Amen, amen. Amen. Donc Jésus, il est celui qui enlève la nudité, qui enlève l'aveuglement, qui enlève la pauvreté. Ok. Si nous prenons également prenons Luc chapitre 6. Nous allons voir. Bon, avant de prendre Luc, prenons quand même Jean. Jean 9. Et on va prendre Luc après. Prenons Jean chapitre 9. Du verset 1 au verset 3, déjà, on parle de là où j'ai tiré l'enseignement. On dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Ça, c'est la version Louis II. Et dans la version française courante, on dit, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Vous voyez, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ah, j'aime trop ça. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous voyez? C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Or, c'est quoi cette œuvre de Dieu? Si vous regardez dans Genèse, toujours chapitre 3, lorsque Adam et Ève avaient péché, quand Dieu était venu dans le jardin, l'homme a fui avec sa femme, ils se sont cachés. Le Seigneur va les appeler. Et ils vont commencer par discuter, par échanger. Alors le Seigneur, après avoir donné la sentence, il a maudit le serpent. Il va dire à la femme que c'est avec des souffrances, des douleurs que tu enfanteras. Et que tes désirs se porteront toujours vers ton mari. C'est ça on a dit, hein? Oui ou non? Et Dieu dit maintenant à l'homme que voilà, toi, puisque tu as écouté, on avait déjà parlé de ça le mardi passé. Puisque tu as écouté, excusez-moi, la voix de ta femme, on dit que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras.
À cause de toi, la terre est maudite. Alléluia. Amen. Mais après, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dira que maintenant, le Seigneur va dire au serpent que toi, tu vas ramper sur la terre. Vous voyez? Et que la femme t'écrasera la tête. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre toi et sa postérité. Donc toi, tu vas lui blesser le talon, mais sa postérité va t'écraser la tête. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur avait commencé un travail là. Dans Genèse 3 là. Cette prophétie là a déclenché une activité spirituelle. Dieu avait commencé un travail. Dès que le Seigneur a fini de parler, il va tuer un animal qui n'est rien d'autre que l'image de l'agneau de Dieu. Vous voyez? C'est ce que l'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre en disant que ce n'est ni pas 1 Pierre 1, 18, ce n'est ni pas l'argent ni l'or que vous avez été racheté, mais ce n'est pas le sang précieux de l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Il voulait parler de cette scène en fait, vous voyez, il voulait parler donc avant même que Dieu ne crée quoi que ce soit, mais également de cette scène de Genèse 3 où Dieu va tuer un animal pour couvrir la nudité de Adam et Ève. Eux, ils avaient pris des feuilles pour se couvrir. Mais quand le Seigneur est venu, il tue un agneau, il tue un animal, il prend sa peau pour le faire des vêtements, pour couvrir leur nudité, leur honte, en réalité. Vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Amen. Donc cette œuvre-là que Dieu a commencée, la Bible dira que Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il a commencé, il l'achève. Amen, amen, amen. C'est pour cela que Jésus va dire que ce n'est pas que parce que cet homme a péché ou ses parents ont péché. Est-ce que ça veut dire que cet homme n'a jamais péché dans sa vie? Non. Il faut que ça soit clair. Parce que les gens peuvent penser, nous-mêmes parfois quand on enseigne, les gens peuvent croire qu'on veut dire que l'homme là n'a jamais péché dans sa vie ou que ses parents n'ont jamais péché. Si ses parents ont péché, tout homme péché. Amen, amen. Amen. Ses parents ont péché. Et lui aussi, il a péché, même s'il est aveugle. Il a péché. Vous voyez ce que je dis? Mais ce que le Seigneur voulait révéler là, c'est simplement le fait que l'œuvre que Dieu a commencée dans Genèse, Dieu est venu pour l'achever. Il dit que ce n'est pas parce que cet homme a péché, non. C'est que le Seigneur a changé la situation pour dire que ce que j'ai commencé là, c'est ça, je viens continuer. Et cette parole qu'il a dit sur la vie de cet homme, elle est aussi valable pour toi et moi. Amen, amen, amen. Dieu n'a pas regardé mon péché. La Bible dit que, regardez, Dieu prouve son amour pour nous. Romains 5, à partir du verset 6 au verset 8. Dieu prouve son amour pour nous. À peine on mourrait pour un juste. À peine même un juste pouvait accepter de mourir pour quelqu'un. Ou à peine un homme peut accepter de mourir pour un autre. Même nous, pour nous prouver que Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu prouve son amour. Il met le comble à son amour pour nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est venu mourir pour des impies. Amen. Amen. Christ est venu mourir pour des païens, comme toi et moi. Donc Jésus est venu mourir pour nous, lorsque nous étions encore des pécheurs. Si vous regardez le verset 35, regardez ce que Jésus dit à cet homme. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde, pourquoi ? Pour un jugement. » Pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Amen. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché demeure. Donc c'est ça, l'aveuglement c'est l'image des ténèbres. Et lorsqu'on parle des ténèbres, il y a le péché. Amen, amen, amen. Dans la vie de l'homme, il y a le péché qui est derrière, en réalité. Donc, les hommes sont dans les ténèbres à cause du péché. Amen, amen, amen. Il y a la honte et l'humiliation dans la vie des hommes à cause du péché. Et cette honte
ne s'enlève que seulement lorsque les cœurs sont circoncis. C'est-à-dire quand les cœurs se convertissent réellement à Christ. Vous voyez, dans ces trois choses-là, la pauvreté, l'aveuglement et la nudité sont ôtées en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Jésus dit, je suis venu pour un jugement. Il va dire, ce n'est pas que l'homme a péché ou ses parents. Je ne regarde pas leur péché. Vous voyez, il dit, c'est afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie. C'est une autre façon de dire, afin que l'œuvre que Dieu a commencée s'achève. Amen, amen, amen. L'œuvre de Dieu, c'est que les hommes croient en son nom, que les hommes croient en Jésus. Amen, amen, amen. Pour recevoir le salut, pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la paix, pour recevoir la richesse. Amen, amen, amen. Pour recevoir la vie et la vie en abondance. Oui. Et c'est ce qui va arriver à un homme. Cet homme s'appelle Bartimée. Vous voyez? Mais avant de parler de Bartimée, si vous prenez avec moi Matthieu 23, verset 26, j'avais dit, on va prendre Luc 6, mais vous allez le lire chez vous. Vous pouvez lire Luc 6, 39, Matthieu 15, verset 14, chez vous. Ça nous parle, ça nous montre en fait qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Donc, si tu vois un homme pécheur, comme toi et moi, qui te dit, viens, moi je vais t'amener au paradis, fais attention. Amen, amen, amen. C'est juste pour te mettre en garde. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines et beaucoup de religions. Il y a beaucoup qui se lèvent, qui se déclarent Christ, qui se déclarent proche de Dieu. Il y en a qui disent, je suis le bras droit de Dieu, je suis le prophète de Dieu, après Dieu au ciel c'est moi. Il y a beaucoup de ces histoires aujourd'hui sur cette terre. Amen, amen, amen. Je ne vais pas citer des noms, mais que celui qui a des oreilles entende. Quand après avoir entendu, écoute maintenant ton cœur, écoute le témoignage que l'Esprit te donne, pour que toi-même tu discernes. Tu as la maturité pour choisir. Amen, amen, amen. Dieu dit, je mets devant vous les hommes la vie et la mort, mais je vous conseille de choisir la vie. Fais le bon choix et tu vivras et tu connaîtras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, non. On a tous besoin de quelqu'un qui n'a jamais péché. Amen. Le seul qui peut nous sauver, c'est celui qui n'a jamais, 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 jamais. Enfin, j'arrive pas à comprendre les hommes. Comment un pécheur peut te dire que moi je vais te sauver si tu crois en moi, et toi si tu dis que tu te dis que oui, effectivement, il peut me sauver. Si les prophètes passés n'ont pas pu sauver aucun homme de la mort, ils sont tous morts. Tous. Mais il n'y en a qu'un seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui peut nous amener au ciel, qui peut nous amener au paradis. C'est le seul qui aujourd'hui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Laisse et tout lui est soumis. Amen. Dans les cieux et sur la terre. Amen, et sous amen. La terre, tout lui est soumis. Amen. Les dominations et les autorités, les dignités et tous les noms lui sont soumis. Tout. Il est suprême. Il est surélevé. Il règne en majesté éternellement, élevé dans la gloire et dans la dignité et dans la magnificence et dans l'excellence. Amen. Amen. De son visage sortent des éclairs, des rayons qui éclairent toute la cité. De sa bouche sort une épée à deux tranchants qui frappe les nations. Oui, il est habillé et revêtu de gloire. Son vêtement est un vêtement de gloire et d'éclat, de magnificence. Aucun homme ne peut se tenir devant lui. Tu vas tomber sous l'effet de sa gloire. Il règne en majesté. Il n'a jamais péché. C'est la parole faite chair. Il sait d'où il vient. Il savait aussi où il allait. Mais toi et moi, on ne sait pas d'où on vient. On ne sait pas. Si ce n'est pas que Jésus aujourd'hui nous a donné de l'espérance, les hommes naissent, ils grandissent. Mais ils ne connaissent pas le lendemain. Ils ne connaissent même pas le jour de leur mort. Amen, amen, amen. Mais au moins toi et moi en Jésus, on a de l'espérance. Je sais qu'après ma mort, je vais aller au ciel. Parce que mon Dieu amen. M'a promis, vous voyez. Amen, amen. Donc je peux dire aussi comme Jésus maintenant, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Mais imagine si j'étais sans Christ, je ne sais rien. C'est pour cela que Salomon va dire vanité de vanité. Non, aujourd'hui toi et moi en Jésus, on ne peut plus dire vanité de vanité. On ne peut plus dire que et le chien et l'homme, ils ont le même sort. Non.
Mais hier, c'était valable. Parce que Christ n'était pas encore arrivé. Mais aujourd'hui en Jésus, le chien et moi, on n'a pas le même sort. Le chien, il descend, mais moi, je monte. Alléluia. Amen. Je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut. Alléluia. Amen. Je ne suis pas de ce monde. Je suis dans ce monde, mais je n'appartiens pas du tout à ce système. Je n'appartiens pas à ce monde. Je n'appartiens pas à l'organisation de ce monde. J'appartiens à un autre royaume. Amen. J'appartiens à une autre réalité. J'appartiens à un autre. J'ai un autre propriétaire. J'ai un autre chef. J'ai un autre code. J'ai une autre doctrine. Ma doctrine ne vient pas des hommes. Ma doctrine n'est pas d'ici bas. Ma doctrine ne vient pas d'en bas. Amen. Elle vient d'en haut. Elle vient de Christ. C'est Jésus lui-même qui me l'a donné. Je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Jésus lui-même. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ma doctrine est céleste. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes ces choses. Que tu aimes ton Jésus plus que tout. Tu n'as rien d'autre plus que Jésus. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas Jésus. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la part. N'oublie pas la croix. N'oublie pas l'heure de la croix. Il y a un chant que j'aime beaucoup, mais c'est en anglais. Tu vas apprendre l'anglais. Même ceux qui ne parlaient pas, vous allez apprendre l'anglais. On dit, tu vas apprendre. Le chant dit. On dit quoi? No throne without the cross. There's no sacrifice without your blood. All this you did for me. No me without you. No throne without the cross. There is no sacrifice without your blood. All this you did for me. No me without you. C'est trop fort. C'est trop fort. Ça dit, il n'y a pas d'élévation en fait sans sacrifice, sans la croix. Comme la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Amen, amen. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans passer par la croix. C'est après qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, alors Dieu l'a souverainement élevé. J'aime trop ça. Il n'y a pas d'élévation. Tu ne peux pas monter si tu ne passes pas par la croix. Si tu ne passes pas par la vraie conversion, par la mort à soi. Quand Nicodème a posé la question, Jésus lui a dit, je vous ai dit, si vous ne naissez pas de nouveau, si vous ne naissez pas d'en haut, si vous ne passez pas par la croix, si vous ne déchirez pas vos cœurs et non vos vêtements, vous ne pourrez pas monter. Il n'y a pas d'élévation sans la croix. Vous voyez? Notre trône, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de gloire, de couronnement sans le cross, la croix. Pas de sacrifice sans le sang. On dit, s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Vous voyez ce que je dis? Il n'y a pas de délivrance sans le sang. Il n'y a pas de purification sans le sang. Il fallait un sang. Mais le sang qu'il fallait pour te sauver et me sauver, c'était un sang pur. Parce que le sang des vaches et des taureaux ne pouvait pas effacer ton péché. Laisse-moi te dire, si le sang des juifs pouvait être couvert par le sang des vaches et des taureaux, mais le sang de nous là, tu sais pourquoi je dis ça, hein? Depuis des générations, ils ont la loi, les juifs. Donc ils naissent dedans, ils grandissent dedans, même si après ils déraillent un peu, mais ils ont ce background. Mais mon, vous voyez ce que je suis en train de dire, ça fait que ça les préserve. Mais regarde nous là, nos ancêtres là, qui adoraient des lézards, des crocodiles, des requins, hein, qui invoquaient des esprits là. Tu sais depuis quel âge ces choses là ont existé en Afrique et dans nos familles. Depuis des générations, ça s'est enraciné, ça, les racines ont tellement poussé. Donc il fallait un sang fort. Et nous, on ne veut pas que quelqu'un vienne couvrir. C'est pour ça que Dieu s'est dit, non, si je veux sauver tous les hommes là, il faut vraiment
Un ange ne peut pas faire l'affaire, même pas un homme. Il fallait un sang pur, un sang sans défaut, un sang qui est tel que quand ça descend, ça brûle tout. Même si le péché était noir plus que le cramoisi. Dieu dit dans Ésaïe, venez, nous allons plaider ensemble. C'est pour cela à la croix, quand on l'a percé, son sang a coulé le long de son corps et le sang a touché le sol. Vous voyez ce que je dis? Pour montrer qu'il est allé descendu jusqu'au plus bas de la terre. Le sang est allé purifier, déraciner toutes les racines de péché de nos ancêtres, de nos familles, les choses qui avaient été faites, même quand nos parents n'étaient pas nés, les choses qui étaient là depuis des années là. Son sang est descendu au plus bas de la terre. Il est allé jusqu'au séjour des morts, briser les liens de la mort, briser les liens de malédiction, briser les liens de condamnation. Amen. Il fallait un sang pur. Toi, tu n'as pas besoin du sang des taureaux et des vaches, ni moi. Il faut un sang puissant. Le sang du Dieu vivant. Amen. Donc, vous pouvez lire chez vous Luc 6, 39, Matthieu 15, 14, et vous allez noter aussi Matthieu 23, verset 26. On avait noté. Vous avez noté déjà, hein? Ça, Matthieu 23, 26, voilà. Qui nous explique que le nettoyage, là, la conversion, là, c'est la conversion du cœur et non de l'extérieur. Si vous vous rappelez, on avait fait un temps de jeûne et prière où Dieu disait, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dans Romains, Paul explique la vraie conversion, ce n'est pas celle de l'extérieur, c'est celle du cœur. La conversion, c'est le nettoyage, la délivrance, le renoncement à soi, la repentance, la croix. Et c'est un nettoyage de l'intérieur et l'extérieur. Vous voyez, c'est l'intérieur. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit pharisien aveugle. Nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe, des plats. Vous voyez? Maintenant, on va regarder Bartimée, ce que je disais. Tout ce que j'ai dit là, il y a un homme du nom de Bartimée qui l'a vécu. Regardons Marc chapitre 10. De toute façon, on va s'arrêter bientôt. Marc 10, verset 46. À 52. La Bible dit ceci. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Mais il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Et le cri de Bartimée, en réalité, c'est une prière. C'est une prière. Donc tu imagines, tu pries, mais le diable te combat, il te met encore des bâtons dans les roues. Plus tu veux prier pour connaître Dieu, plus il t'attaque. La Bible dit que Bartimée commence par crier et il y a des gens qui commencent par lui dire « Tais-toi !» Plusieurs le reprenaient. Les démons de famille le reprenaient. Les sorciers de famille le reprenaient. Les démons environnementaux, les esprits environnementaux le reprenaient. L'impudicité a commencé par le déranger. La sorcellerie s'était levée contre Bartimée pour dire « Bartimée, ferme ta bouche !» Le cri de Bartimée, c'est la prière de quelqu'un. Quelqu'un qui a soif du nom de Jésus. Quelqu'un qui a soif de connaître Christ. Oh Dieu! Alléluia! Amen. Regardons la suite. On dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Ah oui! Ça c'est fort! On dit, fils de David, aie pitié de moi. Plus les gens lui disaient, tais-toi, plus sa prière montait encore. Plus sa prière devenait encore plus fort. C'est un enseignement pour nous. Si un aveugle a eu cette révélation, si un aveugle a eu la révélation que
quand tu cries à Jésus et que les gens te disent tais-toi et que les gens veulent fermer ta bouche, tu vois qu'il y a des combats, il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a des choses qui se lèvent. Alors que ce que tu es en train de faire, tu sais dans ton cœur que c'est bien, c'est la volonté de Dieu. Comprends que il y a des gens qui se sont levés contre toi juste pour chercher à te fermer la bouche. Amen, amen. Amen. C'est tout. Le diable veut que ta foi soit étouffée, qu'elle soit éteinte. C'est tout. Tu es chrétien, mais tu sens que ces derniers temps, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de difficultés. Et tu te fâches seulement, tu ne veux pas prier. Tu bâcles ton temps de prière, tu méprises, tu négliges, tu ne veux pas te connecter, tu ne veux pas. Bon. Même si les gens t'ont énervé, même si tu en as marre, même si tu es découragé, mais comprends que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. La Bible me dit. Plusieurs disaient à Bartimée, tais-toi. Mais plus on lui disait tais-toi, plus il criait encore plus fort. Et je demande à quelqu'un, je prie et je dis à quelqu'un ce soir, crie encore plus fort. Amen. Amen. Prie encore plus fort. Le dossier ou le sujet pour lequel tu avais déjà prié, peut-être que tu as eu l'impression que non, ça ne sert à rien, ça ne va pas marcher et tu as arrêté de prier. Non, ça c'est le diable qui est passé. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu crois déjà à ça? Amen, amen. Tant que je vis, il y a de l'espoir. Amen, amen. Amen. La Bible dit que si les hommes méchants qu'ils sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ne donnera-t-il pas de bonnes choses? N'exaucera-t-il pas ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Dieu dit, Jésus dit, il ne tardera pas de les exaucer. Jour et nuit, ceux qui crient à Dieu, ceux qui ne s'arrêtent pas, même quand il y a des intempéries, même quand il y a des tornades, même quand les vents se lèvent, alléluia, amen, amen. N'arrête pas de crier à Jésus. Amen, amen, amen. Il faut que la honte soit ôtée. Parce que c'est en son nom. C'est quand on invoque son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. La Bible nous déclare. Donc on dit, il y a une puissance dans la prière. La prière du juste est d'une grande efficacité. Amen, amen, amen. Donc il y a une vie, il y a une grâce, il y a une faveur, un secours qui nous vient de Dieu par la prière. Alléluia. Amen. Dieu travaille par la prière des hommes. Les anges travaillent par la prière des hommes. Amen, amen, amen. Donc ne t'arrête pas de prier. Même si le sujet, tu as l'impression que ça fait des années. Prie, Dieu est capable. Dieu ne t'a pas oublié. Il veut seulement voir ta persévérance. Il ne tarde pas dans l'exaucement de ta demande. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand Bartimée a continué, la Bible va dire maintenant, regarde, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Tu vois? Parce qu'il a insisté. S'il avait écouté les hommes, imaginez, les gens lui disent, tais-toi, aveugle. Regarde comment tu es sale. Regarde comment tu sens. Regarde, tu n'aimes pas brancher les dents. Tu es né dans le péché, tu vis dans les ténèbres. Tu nous déranges, tais-toi. Tais-toi. Hé, hey, Bartimée, tu veux quoi? Tais-toi. Mais plus les gens disaient ça, plus lui criait encore. C'est comme s'il ne les entendait plus. Parce qu'il sait celui qui est en train de passer. Il sait devant qui il se tient. Il sait qui il est en train d'appeler. Amen, amen, amen. Celui qu'il est en train d'évoquer s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Shiloh. Amen. La parole faite chair, celui qui est la solution à tous les problèmes des hommes, celui qui marche sur les eaux, celui qui parle à la mer obéit, celui qui parle au vent, le vent obéit, celui qui ordonne à la mort obéit. Amen. Amen. La Bible dit,
Jésus dit, Jésus s'arrêtait et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle et lui dit, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Tu vois, quand Dieu jette sa faveur sur toi, on avait déjà prêché ici, c'est une question de grâce. Tout est simplement grâce. Il fait grâce à qui il veut. À force de crier à lui, quand le Seigneur jette sa grâce sur toi, la Bible déclare quoi? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, vous voyez, même ses ennemis, il incline ses ennemis en sa faveur. Quand Dieu commencera par approuver tes voies, quand Dieu va jeter ses regards sur ta famille, sur ta vie, même ceux qui étaient tes ennemis hier, ceux qui te critiquaient hier, ceux qui pensaient que tu es un vaurien, ceux qui te méprisaient, qui voulaient t'humilier hier, c'est les mêmes, tu vas voir, qui vont venir maintenant te dire, tu as un Dieu. Amen. Les mêmes qui se moquaient de Bartimée, c'est les mêmes qui commencent par lui dire maintenant, il t'appelle, prends courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as un Dieu, Bartimée. Ah, toi aussi, Dieu t'entend. Oui. Le temps est arrivé où le monde doit voir Jésus élevé. Alléluia. Amen. Comme Élie a dit, que l'on sache du nord au sud, de l'est à l'ouest, que c'est toi qui es Dieu ici en Israël. Que l'on voie sous ce soleil qu'il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit, qui est capable de tout. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Donc, quand Jésus lui dit, viens, quand Bartimée se lève, la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Verset 50, 51 maintenant. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et Rabboni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous voyez, c'est symbolique et significatif. Bartimée, avant d'aller vers Jésus, il a jeté son manteau, le vieux manteau, ce manteau de saleté, vous voyez, le manteau qui est l'image des œuvres, des mauvaises œuvres, vous voyez, ça nous parle aussi de la repentance, où on se dépouille de la vieille nature, du vieil homme, on se dépouille de nos mauvaises œuvres, vous voyez, de la vie qu'on avait, la vie du passé, c'est aussi le lieu de la conversion, en fait. Alléluia. Amen. On va dire, Seigneur, je veux une nouvelle conversion, Seigneur Jésus. Et tu vas prier également pour dire, Seigneur, je veux que tu enlèves l'opprobre, la honte sur ma vie. Que tu enlèves toute forme de pauvreté, toute forme d'aveuglement et de nudité. Je le crois, j'ai la foi que Jésus, en toi, je suis revêtu, je suis couvert, j'ai revêtu Christ. Et que toi, de pauvre, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que moi je sois riche. Amen, amen, amen. Tu es venu, tu as ouvert mes yeux pour que je voie. Maintenant, je veux vivre ces choses. Que ces choses soient manifestes dans ma vie, Seigneur. Quelle est l'opprobre? Quelle est l'humiliation que le diable prépare contre moi? Prépare contre ma famille. Seigneur, enlève l'opprobre, enlève la honte. Que toute parole de honte, tout plan et projet de honte que le diable prépare contre ma famille ou contre ma vie ou contre mon mariage, contre mon travail, contre ma santé, Seigneur, que cette honte, cette humiliation-là, cette opprobre soit ôtée, soit détruite ce soir. Toute opprobre que la famille a préparée, élève la voix et prie le Seigneur. Je te laisse 5 minutes. Adonai, notre Dieu, Père Tout-Puissant, Seigneur, la gloire, Père, je te prie, Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur Dieu, merci encore pour ta parole éternelle des armées. Seigneur, je viens devant toi, Papa, et je viens me dépouiller éternellement, Papa. Seigneur, de mon vieux homme éternel, la gloire, Père, je me dépouille éternel des armées. Du mauvais comportement, du mauvais Seigneur Dieu, viens, Seigneur, de gloire, Papa, que j'ai toujours eu éternel de gloire. Oh Seigneur, je te prie éternel de gloire, Papa, que toi, le Dieu, Père, qui avait enlevé, Papa, le propre Seigneur Dieu à Bartimée, Seigneur, la parole dit que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, me voici devant toi, éternel Dieu. Père, enlève-moi le propre éternel de gloire. Seigneur, enlève-moi le propre éternel des armées. Seigneur, cette honte que l'ennemi a mis, Seigneur Dieu, en moi. Jésus, je te prie de pouvoir le côté, éternel Dieu. Père, il n'y a que toi, Seigneur, pour enlever éternel des armées. Toi, le Dieu, Papa, qui a pris, Seigneur, de gloire, la forme humaine pour venir pour me libérer, pour venir
bénir, Seigneur Dieu, me souviens. Oh Seigneur, je te prie éternellement, mon Dieu. Seigneur, enlève-moi, Seigneur Jésus, la honte. Enlève-moi la honte. Enlève la honte dans mon foyer, Seigneur Dieu. Enlève éternel des âmes, la honte dans ma famille, éternel de gloire. Père, enlève la honte, Seigneur Dieu, papa, que l'ennemi a collé à mon épouse, éternel de gloire. Père, je te prie, Seigneur Dieu, papa, enlève cela, éternel des âmes. Seigneur, le découragement, éternel Dieu, que l'ennemi est en train de vouloir mettre en moi, Seigneur Jésus. Père, je te prie de pouvoir le ôter, éternel Dieu. Papa, enlève, Seigneur de gloire, papa. Enlève le mépris, enlève le découragement, Seigneur. Enlève, car c'est les œuvres de l'ennemi. Car c'est les œuvres des ténèbres, éternel Dieu. Mais papa, je ne veux pas vivre dans les ténèbres, Seigneur. Non, je ne veux pas vivre, éternel de gloire, dans les ténèbres. Oh Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur de gloire, que tu m'éclaires, que tu m'ouvres les yeux, que tu m'ouvres les oreilles, éternel Dieu. Que tu m'enlèves le problème, éternel de gloire. Que tu enlèves le problème dans mon foyer, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, éternel de gloire, papa. Oh Seigneur, enlève éternel des armes, le combat de mon Dieu. Oh Seigneur, enlève éternel des armes, Seigneur. Enlève éternel Dieu, Père puissant. Oh Seigneur de gloire, papa. Le propre qui vient, Seigneur des familles. Le propre qui vient, Seigneur Dieu, papa. Oh Seigneur Dieu, papa. Partout, Seigneur de gloire. Père de Dieu, éternel Dieu, Père puissant. Il y a un problème, le problème, éternel Dieu, Saint de ma famille. Dans ma famille, éternel Dieu, Père, enlève le problème, Seigneur. Oh, je t'en supplie, papa, enlève le problème, enlève l'éternel des âmes, Père. Oh, Seigneur, je t'en supplie, papa, éternel de gloire, enlève le problème, éternel des âmes, Père. Seigneur, nous prions que tu pardonnes, nous nous repentons de tout péché, nous nous repentons de toute faute, toute propre ouverte, qui pouvait donner accès au diable. Que Seigneur, ces portes soient fermées. Seigneur, je prie que la honte, que le diable est en train de préparer contre ma vie, que le diable est en train de préparer contre ma famille, que le diable est en train de préparer contre ma soeur, que le diable est en train de préparer contre ma femme, que Seigneur, cette humiliation, que Seigneur, je te prends, que Seigneur, cette honte soit ôtée. Je prie, Seigneur, je te prie, éternel de cette assemblée, pas de prendre ôter de la Seigneur, de prendre ôter de l'humiliation, Père, enlève ton problème, que Seigneur, tu enlèves, que Seigneur, tu enlèves, dans tous les domaines, dans la pauvreté, que tu enlèves, que tu enlèves l'aveuglement, que tu enlèves, Seigneur, que tu enlèves toute humilité, que Seigneur, tu couvres tout nouveau de l'humilité, que Seigneur, tu viens ouvrir, Yahweh, dans la nudité, Seigneur, dans le nom de Jésus, Yahweh, dans le nom de Jésus, Seigneur, dans le nom de Jésus, là où il y avait la pauvreté, Seigneur, que tu donnes la richesse, que Yahweh, tu donnes les moyens, que tu donnes la potence, là où il y avait la aveuglement, Seigneur, que tu viens ouvrir les yeux. Seigneur, au nom de Jésus, Jésus, je t'en supplie, mon Dieu. Seigneur, que Dieu achève l'œuvre éternelle. Que Dieu achève son œuvre. Que Seigneur achève son œuvre dans ta vie. Dans ta famille. Dans ma vie éternelle, Dieu. Dans la vie de ma femme, je t'en prie, Seigneur. Au sein de ma famille, l'homme. Oh, Père, je t'en supplie, mon Dieu. Oh, je te prie, éternel Dieu. Achève ma chèvre, Seigneur. Parce que tu as commencé à le faire. Oh, Père, achève cela, éternel Dieu. Oh, alors, achève. Lève ta main au ciel. Je vais rendre grâce à Dieu et recommander nos vies et nos familles entre les mains du Seigneur. Que toute humiliation qui est préparée contre nous et nos familles, contre les mariages, les couples, les projets de mariage,
contre le travail, la santé, tes affaires, toutes tes activités. Je prie qu'au nom du Seigneur Jésus, toute forme de probe, d'humiliation que le monde des ténèbres est en train de préparer, ou dans lesquelles on t'avait mis, on t'avait introduit, que le Seigneur ce soir, de sa main droite, qu'il vienne t'arracher au nom de Jésus, et que toute forme de probe tombe dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour nos familles, Seigneur, que toute forme de pauvreté, Seigneur Jésus, tombe. Toute forme d'humiliation, d'aveuglement, de nudité tombe, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que tu répandes, Seigneur, ta grâce. Que tu répandes, Seigneur, ton feu. Que tu répandes la bénédiction. Que tu répandes la rosée. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Que les anges maintenant, Seigneur, se servent de ces paroles et travaillent dans la vie des frères et sœurs. Là où il y avait des portes ouvertes, Seigneur, je prie que ces portes soient fermées. S'il y avait des péchés dans la vie, que les péchés soient pardonnés à cause du sang de Jésus, à cause, Seigneur, de l'œuvre de la croix. Seigneur, souviens-toi, il est écrit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Christ. Seigneur, à cause de son sang, nous te demandons pardon. Et que tout péché soit pardonné à un frère, à une sœur. Et que, Seigneur, toute porte qui pouvait donner accès au diable soit fermée. Au nom de Jésus, je te rends gloire parce que tu l'as fait. Et nous t'acclamons pour te dire merci pour le culte, pour l'enchaînement de ce soir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Amen, amen. 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 Amen.